de loup. Je suis entrée dans la cuisine pendant que ma bonne Martine était allée cueillir un chou. Et j'ai vu quoi ? Tout cela, hein ? Une fourchette d'argent riant de toutes ses dents faisait la coquette d'un petit air bête près d'un bras de spaghetti qui s'étirait d'un air ravi. À dents de loup, j'y guignais dans mon assiette le manège de ma fourchette qui taquinait le spaghetti. Elle disait « Quoi ?» Il criait « Oh !» Puis faisant un grand câlin contre elle d'un air malin, serpent sans sonnette retombe dans l'assiette. Alors furieuse, elle lui dit « Tu n'es plus mon petit spaghetti !» mon petit loup, serais-tu un brin de la barbe du vieux général de brigade ou le gros ver qui sort du chou ? Elle riait, il rageait. Le spaghetti en colère cria au cousin gruyère qui suivait l'affaire sans en avoir l'air. Veux-tu lui faire les gros yeux ? Elle ne mérite vraiment pas mieux. Mon petit fou, fais bien vite la bonne pâte ou alors prends garde à ma patte. Tu finiras comme le chou.